parti. Ok, l'exercice va être de tourner les bâtons en mouvement continu autour de soi en les tenant par deux mains, en passant par-dessus de la tête. Créons une sorte de cercle en bas, au-dessus de la tête. Et on peut renverser également, le faire dans une autre direction. Les mains ne se déplacent pas. Les mains elles restent sur le même emplacement. On ne serre pas le bâton, mais les bras elles restent sur le même emplacement. Et on va essayer, c'est forcer de garder les bâtons parallèles au sol. Ce qui n'est pas très évident, mais c'est ça le travail. Et on va donc se tourner autour de soi en avançant d'un côté vers l'autre. Je tourne à gauche, les bâtons vont dans le même sens. Je continue d'aller à gauche et je renverse le sens du bâton. Je reviens sur mes pas. Les bâtons tournent dans le même sens que moi j'ai fait. Et quand vous roulez, vous changez le sens. Le sens du bâton. Cet exercice il s'est fait vitesse lente ou moyenne. Pour vraiment garder les bénéfices, la continuité, l'orientation dans l'espace, la stabilité du mouvement, le contrôle du bâton et le contrôle sans trop de tension. Coordination.